Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous mes amis Facebook. Bienvenue à ce Facebook Live. Bienvenue à ce Facebook Live. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à Rodrigue, bonjour, bonjour. Bonjour à Franklin Toa. Bonjour à Philippe Diomongassa. Bonjour à Sylviane Carole Fanchou. Bonjour à Juline Donfa. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour à Angola Angola. Donnez-moi. Voilà, bonjour Angola Angola. Bonjour, bonjour Sylviane. Donc, donnez-moi une minute que je partage aussi dans quelques groupes et puis que je mette en route une séance vidéo. Et puis, on démarre le live. On ne va pas traîner parce qu'on ne sait pas jusqu'où la machine va nous emmener. Je vous laisse un peu en musique de Charles Lembe parce que beaucoup de gens m'ont demandé d'essayer de faire connaître les talents camerounais d'avant ou d'aujourd'hui. Donc, voilà, vous me donnez juste une minute que je partage dans le live. Partagez aussi, aidez-moi à partager le live pour que beaucoup plus de monde puisse regarder. Bonjour à Pierre, bonjour à Sandy Boston.
Bonjour à Panzukam, bonjour à Evin Tinda, bonjour à Lorraine Manga, bonjour à Clotel Fodor. Bonjour à tout le monde. Vraiment, je vous remercie d'être nombreux à l'entame de cette vidéoconférence que nous allons consacrer au décryptage du discours de Paul Biya. Ce sera une vidéoconférence, j'espère qu'elle sera laborieuse. On a beaucoup de choses à aborder, on a beaucoup de choses à parler, on a également énormément de choses à expliquer aux Camerounais parce que je voudrais que cette vidéoconférence mette les cœurs pour que nous puissions protéger le live parce qu'on n'a pas que les amis. Il faudrait que cette vidéoconférence permette aux Camerounais de comprendre ce qui se passe dans la tête des décideurs politiques et non pas ce que les décideurs politiques leur disent quand ils sont devant une caméra. De comprendre ce qui motive les décisions des décideurs politiques. Parce que le décideur politique n'agit que quand il a une pointe là, en dessous de la gorge. De comprendre pourquoi ils prennent telle décision, pourquoi à tel moment, pourquoi ils font ceci, quels sont les calculs politiques qui précèdent les décisions. Hein, voilà, quelles sont les stratégies que les décisions. Bon, on peut les lire hein, quand on voit les décisions qui sont prises, on peut les lire. Donc, moi, c'est sous cet aspect-là que je base mon live et non pas trop sur le contenu du discours de Paul Biya, parce que bon, le contenu, c'est un homme politique. Ce qu'il dit n'engage que ceux qui y croient. Et d'ailleurs, comme disait quelqu'un qui disait que c'est peut-être parce que les Camerounais ont tellement d'amour pour Paul Biya qu'un jour le Cameroun se perdra, quoi. Je dis parce qu'on avale pour agent comptant tout ce qu'il dit, alors que quand on recherche dans l'histoire politique de notre pays, depuis 37 ans qu'il est là, une fois qu'il a tenu un discours et il a tenu ses engagements à la règle, on ne retrouve pas. Celui qui retrouve, il me donne, je vais le dire ici sur la toile, mais moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé une fois où Paul Biya dit, je ferai ci, et il a vraiment fait ça. J'ai passé en revue ce qui s'est passé lors de la tripartite, j'ai regardé l'application de ce qui s'est passé lors de la tripartite, il n'y a rien du tout. Déjà, lors de la tripartite, la constitution qui lui avait été proposée, il avait dit que c'est une constitution, c'est Joseph Ona qui avait dit ça, qui ressemblait à la constitution nigériane. En fait, il parlait du fédéralisme. Et aujourd'hui, et on voit qu'il reste le doigt dans ses bottes, il continue à parler d'une décentralisation qui ne viendra jamais, alors que les anglophones sont en train de parler de sécession et qu'on trouve bien que le milieu intermédiaire, c'est au moins ce fédéralisme. Donc, moi, j'ai choisi de parler de ce qui motive, c'est que le processus de prise de décision par un décideur politique. J'ai choisi de parler de l'environnement international. J'ai choisi de parler des forces qui, dans le dialogue qui va s'ouvrir, ont réellement de l'influence. Ce qu'on appelle en sciences politiques chez les anglo-saxons, political leverage. Parce que on va faire un dialogue à Yaoundé, on va inviter des gens comme Frundi, des gens comme Kawala. Mais quel est le poids politique de Kawala si ce n'est que le bavardage? Ce qu'on appelle en anglais bargaining power, c'est-à-dire le pouvoir de bavarder. Mais quel est le poids en termes d'élus, en termes de c'est-à-dire que est-ce que un communiqué de Kawala pèse sur la quel est le poids du cardinal Toumi aujourd'hui, quand on sait que l'Église a été considérablement affaiblie? Quel est le poids de Fundi, quand on sait que le SDF où il s'était replié comme bastion, le nord-ouest, sud-ouest où il s'était replié comme bastion est pratiquement délabré, quel est son poids politique? En revanche, il y a de nouveaux acteurs qui sont apparus. La brigade anti-Sardina, qui est un poids. Hein? Quand elle pose un acte, ça a des répercussions sur la vie publique camerounaise. Quel est le poids aujourd'hui des leaders, bon, on appelle sécessionnistes, moi j'appelle ambazoniens, en exil. Quel est le poids, quand on sait, quel est le poids des gens qui sont en grand zéro? Quand on sait que il y a énormément de questions dont. Moi, je me fais faire, comme on dit en anglais, a picture, c'est-à-dire qu'une photographie de la scène politique telle qu'elle est, avec les différents rapports de force, et non pas telle que les gens qui n'aimeraient pas perdre leur influence politique voudraient qu'on la voie. Voilà. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Donc, déjà, pour commencer, je vais résumer brièvement le discours de Paul Biya. Parce que c'est important, parce que si on dit qu'on va commenter son discours, il faudrait quand même qu'on retienne les points saillants, c'est-à-dire que les principaux points qu'il a abordés dans son discours. Bon, dans son discours, Paul Biya a dit que dès le début de cette crise,
Ils pensaient qu'il s'agissait d'une revendication corporatiste des enseignants et des avocats. Les enseignants anglophones se plaignant du fait qu'on envoyait des collègues qui n'avaient pas la maîtrise de l'anglais enseigner l'anglais aux enfants et ça s'est passé mal. Les avocats qui se plaignaient de l'usage du français devant les tribunaux où les populations à l'origine avaient comme première langue l'anglais, se plaignaient que les juges qui étaient envoyés étaient des juges francophones qui n'avaient pas connaissance de la common law, se plaignaient du fait que l'acte uniforme WADA qui devait être utilisé dans l'intégralité du pays n'était pas traduit en anglais, ce qui rendait difficile leur travail. Bon, ils étaient réunis autour d'un consortium et le consortium avait engagé un dialogue avec l'État du Cameroun. J'observe, je fais juste un petit commentaire que ce consortium-là a été interdit par Paul Biya, par René Sadi qui était ministre de l'administration territoriale, qui a interdit le consortium. Et je pense que l'interdiction du consortium a privé l'État du Cameroun d'une partie de dialogue et a fait monter en flèche ce que nous appelons aujourd'hui les ambazoniens. Ça, c'était un premier point. Deuxièmement, Paul Biya considère qu'il a fait beaucoup dans la crise puisqu'il a libéré ou décidé de l'abandon de poursuites sur plus de 200 personnes qui étaient arrêtées. Je fais simplement une petite observation. C'est que quand il y a une crise comme celle-là et qu'on rafle les gens dans la rue à Bamenda, qu'on les amène à Yaoundé, qu'on les place en détention, qu'après on les libère, est-ce que ces personnes ont quelque chose à voir directement avec la crise? Parce que la communauté internationale continue à dire que les personnes qu'il faut libérer, ce sont les interlocuteurs directs dans la crise. Ça veut dire que les Mancho BBC, les Pinterest, les Ayoub Tabé, les Tassan Wilfried, etc., ils sont nombreux qui sont placés en détention. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est consigné dans la multitude de rapports que vous avez ici au Sénat et au Congrès américain. Et que les gens peuvent télécharger en ligne en allant simplement sur sénat.gov, usenat.gov ou uscongrès.gov. Donc, ils peuvent avoir toutes ces informations là-bas. Ils vont voir qu'il y a quantité de rapports où on appelle clairement à faire libérer ces gens-là. Bon. Paul Biya estime quand même qu'il a libéré 280 personnes. Donc, c'est les gens qu'on avait raflés en route, on a amenés dans un poste de police, on les a amenés à Yaoundé dans le camion. Il estime qu'il les a libérés. C'est lui qui le dit. Paul Biya estime qu'il y a l'accélération du processus de décentralisation par la création d'un ministère dédié entièrement à la décentralisation. Bon, par respect quand même pour Paul Biya qui est un patriarche, je ne vais pas trop appuyer sur là où ça fait mal. Mais souvenez-vous que j'ai toujours souvent décortiqué la gouvernance de Paul Biya ici, en qui consiste à dire que là où les anglo-saxons font des programmes pour gouverner, ça veut dire qu'avec un contenu, avec des hommes, avec un budget. Paul Biya a toujours la faiblesse de penser que c'est le décret, c'est la création d'un ministère avec... Bon, il a créé un ministère de la décentralisation. Quel est le... Or, la question de la décentralisation, ce n'est pas seulement une affaire des ministères, c'est une affaire de tout. Ce n'est pas un ministère. C'était une affaire de politique, d'un programme qui engage tout le gouvernement. Parce que le ministre de la décentralisation, c'est il dépend de l'administration territoriale. Or, dans la décentralisation, la politique de la ville, il y a la politique locale de la sécurité. Il y a la politique d'aménagement du territoire, donc qui dépend de l'économie, de la planification. Il y a plein de choses. Quel est le degré d'implication de ces ministères dans la politique de décentralisation? Il y a la question de la loi électorale et du mode de désignation de ces élus. Il y a la marge de manœuvre, etc. Il y a les décisions qu'elles vont prendre et comment est-ce qu'elles s'appliquent dans le droit interne, etc., etc., etc. Il y a tellement de choses à faire. Est-ce que c'est confié ça à un ministère? Le ministère va faire quoi? Peut-être qu'il va mettre en place la décentralisation. Quel est le contenu de cette décentralisation? En quoi est différent? Est-ce que ce sera la décentralisation de 1992? Parce que les anglophones, quand ils se sont soulevés, ils connaissent bien les textes qui régissent la décentralisation de 92. Donc voilà autant de questions qu'on peut se poser une fois qu'on a entendu cette phrase de Paul Biya. Paul Biya rejette la responsabilité de la violence sur les groupes radicaux inspirés de l'étranger et sur les groupes armés sur le terrain. Il rejette la responsabilité de la violence sur les groupes radicaux inspirés de l'étranger. Donc, il veut parler sûrement
ce que les anglophones appellent le IT, ça veut dire que je ne sais pas comment on appelle ça, interim government, des choses comme ça, ou bien des groupes comme les Ambazonian Defense Force, mais bref, il y a plein de fora là où vous pouvez regarder leurs vidéos de propagande, etc. Donc, c'est eux qui les gèrent la responsabilité. Mais je voudrais dire, rappeler quand même un peu le contexte historique, hein, qu'après l'interdiction du consortium, les populations dans les villages étaient sorties avec des l'arbre de la paix, hein, pour défiler et dire, bon, voilà, nous sommes pour la paix, mais nous voulons être écoutés parce que nous avons des revendications à porter. Nous avons vu ce qui s'est passé, on a tiré sur eux. Les étudiants à l'université de Boya étaient sortis pour dire, nous avons des revendications à porter et nous avons vu les vidéos et crier, no violence, no violence, no violence, no violence. Et nous avons vu ce qui s'est passé par la suite. Ils ont été correctement bastonnés. On les a mis la tête dans l'eau des excréments. On a vu ce qui s'est passé dans la cité universitaire. Je vais pas. On entendait les femmes qui criaient, oh, que l'oncle se faisait violer, en fait. Donc, on sait qui a fait ça. Donc, on ne peut pas dire qu'il rejette la totalité. Donc, c'est lui qui le dit. Ensuite, il dit, ce sont les exactions des groupes armés qui ont poussé les Camerounais à fuir au Nigeria, les pays voisins. Bon. Moi, en tant que quelqu'un qui a, parce que dans cette histoire, ayant des origines, dans la zone anglophone, ayant des origines dans la zone anglophone, j'ai quand même beaucoup de parents aussi là-dedans, hein, qui ont fui au Nigeria voisin, hein, qui ont fui au Nigeria voisin et qui ont payé, ce qui n'avait rien à voir en fait avec la crise anglophone, qui pacifiquement sont restés chez eux et qui ont dû fuir au Nigeria parce que c'était les conditions de vie étaient devenues très difficiles. Elles étaient prises entre le feu croisé de notre armée et si je puis dire, des groupes armés ambazoniens, si je puis dire comme ça, voilà, qui estimaient qu'ils défendent leur territoire. Est-ce que Paul Biya peut dire, dans ce contexte, que les exactions sont seulement le fait de groupes armés? Je laisse à chacun le soin d'analyse. Paul Biya dit qu'il a mis en place un plan humanitaire. Bon, quand Paul Biya dit qu'il a mis en place un plan humanitaire, moi je pose quand même les questions. Le plan humanitaire en question qu'a mis Paul Biya, est-ce que cela c'est les camions qu'il a mis là? Parce qu'il y a tellement de Camerounais qui sont de l'autre côté de la frontière au Nigeria. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Moi, je sais que nous avons vu les images avec la fondation Aya Foundation, qui sera au Nigeria apporter l'assistance à ces personnes-là. Aya Foundation, qui sera dans la brousse apporter l'assistance aux personnes-là. Or, nous avons vu les camions d'aide qui ont été distribués à Bamenda et nous avons même eu certains. Je le dis pour Paul Biya parce que je pense qu'il doit regarder, ou les gens à lui doivent regarder ce live-là. Il faudrait qu'il sache que nous avons des gens qui nous recontactent, qui étaient dans cette histoire de partage d'aide, en nous montrant les photos de comment celui que Paul Biya a désigné pour gérer cette aide, qui lui-même est une élite anglophone, a parqué ça dans des magasins et a revendu ça à des opérateurs économiques. La raison pour laquelle on ne met pas ça sur le net, c'est pour ne pas mettre l'huile sur le feu. Et deuxièmement, pour ne pas exposer ceux qui donnent des informations comme ça. Parce que ce sont des faits graves. Mais ce sont des faits dont on mettra. Un matin, quand celui qui a organisé ça ne sera pas aux affaires, on va exposer ça sur les réseaux sociaux. Parce qu'il n'aura plus de moyens de nuisance. Donc, ça, il faut que Paul Biya le sache. Et Paul Biya a dit, il a rappelé son attachement à la politique de l'équilibre régional. Hein, voilà, il dit que voilà, il ne pense pas qu'il y a un problème de marginalisation des anglophones au Cameroun. Parce que de tous les temps, il a nommé un premier ministre qui est anglophone, soit du Nord-Ouest, soit du Sud. D'ailleurs, pourri, juste pourri. Ça n'enlève rien. Je n'ai rien contre le premier ministre John Mouté. Mais les anglophones, dans certains fora anglophones que moi j'ai vus, estiment que John Mouté n'est pas du Nord-Ouest, qu'il est ballon de Mbanga, donc qu'il est du Sud-Ouest, et qu'il est du littoral. Voilà, ils disent que voilà, ce n'est pas un type du Nord-Ouest, du Sud-Ouest d'ailleurs. Donc, il y a tout ce débat-là. Ils disent, voilà, c'est même pas un premier ministre du Sud-Ouest, c'est un type de la République du Cameroun. Et il y a une vidéo où lui-même il dit que ses parents sont de bon. Il y a tous ces débats-là. Et comme je l'ai dit hier avant d'être coupé, ici il s'agit de gouvernance et non pas de nomination. Les
les anglophones réclament la mise en place d'une gouvernance locale. Quand je dis une gouvernance, ça veut dire un pouvoir de décider dans la conception des programmes, un pouvoir de législation locale, la possibilité de lever des impôts ou bien de contacter des prêts pour financer les programmes. Ça peut être des programmes dans l'éducation, comme la construction d'une école primaire. Ça peut être des programmes dans la formation professionnelle, comme la construction d'un centre d'apprentissage. Ça peut être des programmes dans la santé publique, comme la construction d'un dispensaire. Ça peut être des programmes dans les infrastructures locales, comme la construction d'une route de quartier pour relier deux quartiers, par exemple. Ceux qui sont à Douala voient la cité des Palmiers et Ndobon. Pour aller à Ndobon, il faut faire tout le tour par Ndokoti, alors qu'il suffisait au niveau de ce qu'on appelle ancien cinéma de Kondi, de tracer une route directe qui relie la cité des Palmiers et Ndobon. Donc, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas une gouvernance locale. S'il y avait une gouvernance locale, des élus auraient fait ça. Ça permettrait de décongestionner les embouteillages et de gagner du temps. Ça peut être un programme dans la sécurité locale, par exemple, en décidant d'embaucher, par exemple, de donner, comme on voit ici aux États-Unis, des policiers à vélo, par exemple. Des policiers à vélo, c'est-à-dire qu'ils ont des vélos, ils peuvent entrer dans les quartiers, quand ils voient un attroupement, ils peuvent intervenir gentiment et demander ce qu'on appelle la police de proximité. Ça peut être la décision d'équiper les commissariats de sécurité en ordinateur et la biométrie, par exemple, ou bien de renforcer les postes d'identification pour que la population locale soit identifiée facilement. Ça permet qu'elle puisse voter, ça permet qu'elle puisse avoir un compte bancaire. Tant de choses qu'on peut faire quand il y a une gouvernance locale. Voilà ce que les populations anglophones réclament à Paul Biya. Est-ce que la nomination d'un premier ministre voudrait dire la mise en place d'une gouvernance locale? Voilà. L'équilibre régional de Paul Biya, il faudrait que nous ayons le courage de le dire. Parce que quand on le dit comme ça, c'est une personne qui dit « Oh, dis donc, vous dérangez. » Mais lui aussi, il faut déranger. L'équilibre régional que Aïdjo avait mis en place, c'est mort. Et on doit enterrer ça. Ça ne marche plus. Bon, quand Paul Biya dit qu'il a nommé un premier ministre anglophone dans la représentativité, mais ça veut dire que, en clair, Paul Biya n'a rien compris des revendications des anglophones. Ou bien il fait semblant d'avoir rien compris. Les anglophones sont en train de lui dire qu'ils n'ont rien à faire d'un premier ministre, ou même des ministres. Que ce qu'ils veulent, c'est la mise en place d'une gouvernance locale. D'abord au niveau régional, pour qu'ils puissent mieux prendre en compte la spécificité linguistique. Ils sont anglo-saxons. Leur langue première qui parle, c'est l'anglais. Paul Biya, sa langue première qui parle, c'est le français. Que se passerait-il ici dans la région du sud de Paul Biya? On venait de force imposer l'anglais à tout le monde. Est-ce qu'il serait confortable? Ils veulent d'abord au niveau régional prendre en compte leurs spécificités culturelles, linguistiques. Ensuite, ils veulent avoir une gouvernance locale. Parce que cette gouvernance locale, ils l'avaient avant de venir à l'État fédéral et puis à ce qu'on a appelé aujourd'hui l'État unitaire. Donc, ils trouvent que cela a été balayé. Et quand vous écoutez le discours de quelqu'un comme Joseph Wiba, qui est toujours député à l'Assemblée nationale, il dit voilà, l'administration qu'on nous a apportée se comporte comme des colonial masters. Ça veut dire qu'il y a un plan d'assimilation. Donc, ils voudraient retrouver la capacité de gérer leurs affaires. Ils avaient ce qu'ils appellent Public War Department, qui était un ministère des travaux publics, avait des engins pour faire les routes. C'est eux qui les faisaient, ça venait pas les Yaoundé. Donc, ça, c'est ce que Paul Biya doit comprendre. Dans son argument de « j'ai nommé un premier ministre dont l'équilibre régional a été respecté », c'est lui qui l'a bien dit dans le texte. Hein, puisque son discours est sur le mur de TGV de l'information. Il a dit « j'ai respecté l'équilibre régional ». Mais les anglophones n'ont rien à faire de l'équilibre régional. Voilà. Ensuite, Paul Biya a passé en revue les grandes axes de dialogue. Il y en a plusieurs, hein, mais moi j'ai sélectionné quelques-uns parce que cela m'a semblé fondamental, non? Il a dit que le dialogue portera sur le bilinguisme. Okay. Il a dit que le dialogue portera sur la diversité culturelle. Il a dit que le dialogue portera sur la cohésion sociale. Il a dit que le dialogue portera sur le retour des réfugiés. Il a dit que le dialogue portera sur la reconstruction. Il a dit que le dialogue portera sur les DDS, ça veut dire que la démobilisation, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion. Voilà. Donc, il a parlé de ça et puis il a parlé d'autres points. Bon, moi, j'ai retenu ces points-là. C'est-à-dire le bilinguisme, la diversité culturelle, la cohésion sociale, le retour des réfugiés, la reconstruction des villages, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion.
Voilà ce qu'il a dit, le dialogue portera dessus. C'est le point ici pour moi de rappeler quelque chose en ce qui concerne de questionner le dialogue. Hein, parce que, bon, c'est bien de dire, bon, voilà le dialogue, mais les vraies questions, c'est que vaut un dialogue si ce dialogue n'aboutit pas à la modification de la Constitution qui est la loi fondamentale de notre pays. Je rappelle quand même une chose, que lorsque vous étudiez l'État, la question de l'État, chez les théoriciens de l'État comme Hobbes, il vous dit, un État, c'est un territoire, deux, une population, trois, des institutions, et quatre, pour que, ces, que tout cela puisse fonctionner, c'est-à-dire que la population, le territoire, les institutions, on met en dessous une loi fondamentale, au-dessus une loi fondamentale qu'on appelle la Constitution. Voilà. C'est comme ça que les grands théoriciens de l'État, comme Hobbes définit l'État. Ça veut dire que à chaque fois que la Constitution ou le n'est pas acceptée de tous, parce que la Constitution, c'est elle qui permet le transfert des pouvoirs de tous les acteurs pris individuellement aux institutions. Ça veut dire toutes les institutions, l'Assemblée nationale, la présidence de la République, la police, la justice, l'armée, tout ce que vous voulez, etc. etc., etc. L'administration publique. Bon, c'est ça qui fait l'État. D'autres appellent ça le contrat social, en l'occurrence Rousseau. Maintenant, que vaut un dialogue quand ce dialogue-là ne touche pas à la Constitution? Parce que la Constitution, c'est dans la Constitution qu'on règle la question de la forme de l'État. C'est dans la Constitution qu'on règle la question historique. La question historique qui continue à opposer le British Southern Cameroun et ce que les Anglo-Saxons appellent la République du Cameroun. C'est dans la Constitution qu'on règle la loi électorale au Cameroun, où tout le monde s'accorde à dire qu'elle est dépassée, elle est obsolète. Son fonctionnement n'est pas bon et ça donne des élections catastrophiques. C'est dans la Constitution qu'on règle la question du Cameroun. On fait une photographie du Cameroun tel qu'il est maintenant. Je l'ai déjà dit, vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Il y a 5 millions de Camerounais qui ont un bulletin de salaire à l'étranger, payé en devise forte. Il n'y a que 700 000 qui ont un bulletin de salaire à l'intérieur du Cameroun. Le reste, c'est les retraités ou bien c'est les gens qui se débrouillent, comme on dit. Ils ont une occupation. Comment pouvez-vous continuer à ignorer les 5 millions de Camerounais qui sont en l'étranger? Bon, pourquoi bien nous connaissons la raison? C'est parce qu'il estime que les 5 millions de salariés qui sont en l'étranger sont à plus de 90% des Anglo-Bamis et sont au moins à 80% des Bamilékés. Ça, il faut avoir le courage de le dire. La raison pour laquelle Paul Biya continue d'ignorer la question de la diaspora, c'est parce qu'il estime que cette diaspora, elle est à 90% anglo-bamiléké et au moins et environ 80% bamiléké. Donc, ça lui fait un problème. Donc, il dit, voilà, les réincorporer dans le jeu social, économique et politique, c'est donner un leverage à une ennemie. Donc, là où il faudrait voir les Camerounais, ils ne voient pas les Camerounais, ils voient une ennemie. Or, que vaut la Constitution? Que vaut un dialogue? Tant que ce dialogue-là ne peut pas permettre de remodeler le fonctionnement de nos institutions, de remodeler le fonctionnement du jeu politique, de façon à inclure la diaspora camerounaise, qui aujourd'hui est un acteur majeur, de par son poids, de par son potentiel économique, de par son... Bref, c'est un capital humain important dont notre pays ne peut se passer et ne peut tourner le dos. Ça, c'est important de le dire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, parce que sinon les gens signalent, c'est embêtant. Mettez les cœurs. Donc, cette diaspora est un capital humain important pour notre pays. Alors, quelle est la place de cette diaspora avec des trucs comme la double nationalité, avec le fait qu'ils ne peuvent pas être inclus dans le jeu politique local, avec le fait qu'ils ne sont pas représentés devant les institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., devant le fait qu'il n'y a pas un conseil des Camerounais de l'étranger. Bref, il y a énormément de choses. Alors, que vaut ce dialogue-là? Tant qu'il ne peut pas toucher à la Constitution, que vaut ce dialogue tant qu'il ne peut pas examiner la question de l'alternance politique pacifique à la tête de notre pays et de le mettre dans la Constitution? Quand on continue à entendre les discours comme
un Bamileke ne sera jamais président ici, sinon l'armée va prendre le pouvoir. On entend ça dans notre pays. Mais alors qu'il y a une constitution, vous dites ça dans un pays comme la Chine, vous êtes fusillé. Si Xi Jinping était le président de la Chine, c'était civil. Demandez à un général chinois de s'élever et dire, oh, une personne de telle région en Chine ne peut jamais prendre le pouvoir. On lui enlève ses galons, on le juge, on le demande à la cour martiale et il passe au peloton d'exécution. C'est la haute trahison. Mais chez nous, on lit des activistes comme Onangini, comme Kalis Beyala, comme Francine Ben, qui en fait est le journaliste Ernest Obamanana, comme Patrick Mbala, tous ces Kamer. Vous avez même vu qu'il a fait un live en tenant une machette pour dire je vais couper les Bamileke. Il fait actuellement l'objet de poursuites. Que vaut un dialogue si on ne peut pas inclure la diaspora, si on ne peut pas définir les conditions d'une alternance pacifique pour éviter que le pays vacille si demain Paul Biya n'est pas là? Que vaut un dialogue si on ne peut pas régler la question du bilinguisme au plan national? Par exemple, des petits pays comme le Rwanda à côté l'ont fait, des pays comme la République démocratique du Congo sont en train de le faire en seulement 7 mois de gouvernance de Tshisekedi avec une opposition au gouvernement. Donc, des petits pays comme ça arrivent à le faire. Voilà. Donc, ça permet de questionner l'opportunité du dialogue. Je dis, voilà, ce dialogue-là, dont Paul Biya a parlé dans son discours, quelle sera sa valeur si ce dialogue-là ne prend pas en compte une véritable modification, un véritable amendement de notre constitution? Ça, c'est important. Enfin, Paul Biya a dit que pour les consultations, le Premier ministre mènera les consultations en vue du dialogue et ça ressemble, c'est mon commentaire personnel, ça ressemble, dans la tête des Camerounais de ma génération, ça ressemble à une tripartite bis où Sadou Ayato avait mené des consultations, avait organisé la tripartite et après on était reparti de là sans qu'il n'y ait, Paul Biya n'a jamais appliqué rien de la tripartite. Les élections à deux tours, ça n'a jamais été appliqué, le bilinguisme n'a pas été appliqué. La décentralisation, je pense même que si la décentralisation avait été appliquée et qu'on était au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, jamais on n'aurait eu la crise en Europe. Donc, il n'a pas appliqué cela, ça fait des problèmes. Il a rappelé son attachement à l'intégrité du territoire. Bon, vous voyez, j'ai brossé rapidement le contenu du discours de Paul Biya et j'ai mis highlight, comme on dit, j'ai souligné les points saillants de son discours. Quand même, quand on parle, on sache de quoi on parle. Qu'un Ivoirien, un Malien qui regarde ce live, sache de quoi on parle. Voilà. Maintenant, parlons du contexte qui entoure le discours. Parce que, comme je l'ai dit, les politiciens, ce ne sont pas des agneaux. Et Paul Biya, c'est un politicien, c'est quelqu'un qui a fait toute sa vie de la politique. Donc, il a ça dans les gènes. Donc, un homme politique, quand il agit, il faut toujours se questionner. Ce n'est pas ce qu'il vous montre. Parce que le petit peuple, là, c'est comme un troupeau de moutons qui peut amener à gauche, amener à droite et dire non, nous avons combattu le maquis. Donc, ces gens-là ne vont pas nous dépasser. Il a déployé le BI. On nous disait là, ouais, vous n'avez qu'à voir les postes de Onangini qui ressortent. Oh, le BI va casser tout ce qui bouge là-bas. Vous allez voir, dans 3 mois, ce sera terminé. Bon. Nous, on se faisait fort de lui rappeler que depuis 52 ans, l'État de Colombie, avec l'appui de l'État des États-Unis, se bat contre les FARC. 52 ans, se bat contre les FARC. Ce n'est pas fini. Et c'est en connaissance de cause que le secrétaire d'État américain, Thibault, a dit, lors d'un hearing, donc une audition publique au Congrès, a dit, les sécurocrates qui entourent Paul Biya lui font croire qu'il va gagner la guerre et il va imposer la paix et la résolution de la crise anglophone par une option militaire. Mais ils le trompent, mais ils parlent en connaissance de cause. Hein? Ils ont tout un tas de... Hein? Ils ont tout un bateau de rapports sur toutes les guerres qu'ils ont pu mener en Amérique latine avec des bandes armées. Ils savent que ça ne sait jamais... Il n'y a jamais une solution militaire. Ça a toujours été une solution négociée. Bon. Donc, il faut donc interroger le contexte qui entoure le discours de Paul Biya. Comme je l'ai dit hier, ce sont essentiellement des facteurs externes. Quand il dit facteurs externes, c'est-à-dire que ce sont des facteurs qui ne sont pas sous le contrôle de Paul Biya. Je prends un exemple. S'il y a une menace qui émane, bon, par exemple, Paul Biya a estimé que voilà,
Les marches blanches que Maurice Kamto avait lancées, c'était une menace pour lui. Il a arrêté Maurice Kamto, il l'a mis en prison. C'est un facteur interne qui est sous son contrôle. Hein, il n'a pas encore cédé le pouvoir. Il a envoyé ses barbouzes arrêter Maurice Kamto et le mettre en détention. Ça, il en a le pouvoir. Sauf que dans le contexte actuel, les facteurs qui poussent Paul Biya à aller au dialogue, ce sont des facteurs qu'il ne maîtrise pas. Je dis bien, Paul Biya a été poussé à aller au dialogue. Ce n'est pas de sa propre volonté. C'est parce que c'est le même qui disait que voilà, nous avons réglé la question du maquis par les armes et nous allons régler la question anglophone par les armes. Donc, première chose, il va au dialogue, Paul Biya va au dialogue parce qu'il n'est pas, il n'est plus capable de gagner la guerre contre les bandes armées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez regarder le tweet de Herman Cohen. Vous pouvez regarder le mur du journaliste américain. J'ai noté ça. Attendez, je vous dis ça rapidement. Scott Morgan. Voilà, vous avez pas mal d'informations là-dessus sur ce qui se passe dans la région du nord-ouest, sud-ouest. Scott Morgan, c'est un journaliste américain. Vous allez sur son mur, vous allez voir beaucoup de choses. Donc, Paul Biya décide d'ouvrir le dialogue. La première chose, c'est parce qu'après 3 ans de guerre contre les bandes armées en zone du nord-ouest et les zones du sud-ouest, Paul Biya n'a pas été capable de venir à bout des bandes armées dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest. Les pertes sont énormes parmi nos forces de défense et de sécurité. Ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés et qui ne peuvent plus jamais exercer une activité de militaire, ceux qui sont blessés ont du mal à avoir des soins, ceux qui sont morts et dont les corps sont encore dans les morgues, dans les garnisons des hôpitaux. Le coût humain de cette guerre pour notre armée est tellement lourd. Et un matin, il faudra qu'on en reparle. Voilà, nous tirons quand même notre chapeau à la bravoure de nos soldats. Le coût humain est lourd. Le coût humain aussi pour les populations civiles en zone anglophone. Donc, Paul Biya n'a pas été capable de pacifier la zone anglophone par la guerre. Et s'il commence à parler du dialogue, dans la géostratégie, en langage choisi, ça veut dire qu'il a perdu la guerre. Perdu la guerre, il ne veut pas dire qu'on a arrêté les soldats camerounais. Perdu la guerre, ça veut dire qu'il admet enfin qu'il est incapable de trouver une solution militaire et résoudre la crise par l'armée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'armée qui va arrêter tout le monde et puis enfermer et puis le problème sera fini. Je pense que Paul Biya comprend enfin ce qui se passe. Je disais tout à l'heure qu'en Colombie, la guerre dure depuis 52 ans entre les FA et le gouvernement. C'est pour une bonne et simple raison. C'est que quand tu es un commandant des FARC, il y a un autre qui apparaît, qui prend le relais. Quand tu es un autre apparaît, donc ça renaît tout le temps, ça renaît tout le temps. Il never end, ça ne finit jamais. Nous faisons face à cette même situation en zone anglophone. Voilà. Donc, il y a d'abord, comme je l'ai rappelé, il y a le fait que Paul n'a pas pu trouver une solution militaire au conflit en zone anglophone. Donc, il admet lui-même que la solution ne sera pas militaire. Deuxièmement, il y a les initiatives des chefs d'État de l'Union africaine, en l'occurrence Thabo Mbeki, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, Jerry Rawlings, l'ancien président du Ghana, Joachim Chissano, l'ancien président de Mozambique, et l'ancien président du Malawi, dont j'oublie le nom. Voilà. D'habitude, les gens me rappellent souvent le nom. Si quelqu'un me rappelle le nom, je vais le publier. L'ancien président du Malawi. Ces anciens chefs d'État africains ont estimé que le continent africain avait été humilié en Libye. Sur la question de la Libye, la manière dont on est venu tuer Kadhafi, quand les hostilités avaient démarré, il n'y avait plus rien à faire, c'était pour arrêter cela. Or, avant que ces hostilités ne commencent, les présidents africains n'avaient rien fait pour engager une médiation afin de résoudre les questions qui se trouvaient sur le continent. Donc, ils ont mis en place donc une commission, voyant que les États, parce qu'ils connaissent comment les Américains se comportent. Hein. Comme j'ai dit, yes, les gens, ils sont gentils, gentils, mais le jour, ils disent, bon, donne, c'est terminé, ils vont passer à l'action, ça devient désagréable. Ils utilisent la force et ils ne s'embarrassent pas de ce que peuvent penser les autres. On a vu en RDC, quand ils en avaient marre d'envoyer des émissaires voir Kabila, ils ont déplacé 180 hommes avec le matériel de pointe au Gabon pour capturer Kabila. Kabila a compris qu'il fallait partir, sinon on allait l'arrêter.
et le déporter à la CPI. Donc, les anciens chefs d'État africains, pour prévenir ça, et c'est exactement ce qui s'est passé en RDC, où on a vu et les Denis Sassou Nguesso, on a vu en RDC et les Joao Lourenço, on a vu en RDC et les... C'est désagréable, les gens qui mettent les têtes de mort là. Pourquoi vous faites que ça? Pourquoi vous faites ça? Si vous permettez les cœurs, vraiment, c'est désagréable. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous, restez tranquille, allez boire une bière. Ne venez pas sur un live comme ça, on veut expliquer les choses, nous bombarder les têtes de mort et pour interrompre le live. S'il vous plaît, mettez les têtes de les cœurs, mais ce n'est pas possible. Pourquoi vous pouvez faire ça? C'est quoi cette méchanceté-là? Bon. Paul Biya, donc, comme je disais, les chefs d'État africains dans la région, quand il y a eu le dossier, la RDC, les chefs d'État congolais, les chefs d'État Denis Sassou Nguesso, les chefs d'État angolais, Joao Lourenço, les chefs d'État zambiens, les chefs d'État rwandais, Kagame, etc., Kenyan, Uhuru Kenyatta, ont beaucoup travaillé, sud-africains, Zuma, ont beaucoup travaillé au niveau diplomatique pour éviter une intervention musclée de la communauté internationale. On s'aperçoit que quand vous lisez, vous écoutez beaucoup les diplomates américains ou ailleurs, vous lisez les trucs de Broken Edu, l'une des faiblesses de la CEMAC, c'est que la CEMAC est un nain diplomatique. La diplomatie interne, au sein des États, la CEMAC ne fonctionne pas. Il n'y a pas un dispositif au sein de la CEMAC de règlement pacifique des conflits par un conseil des sages ou par un collège de diplomates ou de ministres des Affaires étrangères. La diplomatie interne CEMAC, ça veut dire que le contentieux qu'il y a eu en Centrafrique, on n'a pas vu la CEMAC mettre un dispositif en place pour appuyer la Centrafrique dans la résolution pacifique du conflit. Le contentieux qu'il y a au Tchad, on ne voit pas la CEMAC. Il y a quelque chose qu'on voit, par exemple, dans l'UMOA ou dans la CDAO, ou quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, et la crise au Libéria, etc., en Gambie, rappelez-vous le conflit post-électoral en Gambie, l'intervention énergique de la CDAO pour résoudre le problème. Adama Barrow a prêté ses mains dans l'ambassade de Gambie au Sénégal, et elle est retournée. On a vu l'implication de la CDAO pour la résolution du conflit. Ce n'est pas le cas en CEMAC. Et parce que ce n'est pas le cas en CEMAC, les chefs d'État africains ont donc mis en place un forum des chefs d'État africains qui a débattu des questions du Cameroun et qui avait l'intention de rencontrer Paul Biya pour deux choses. Les deux problèmes dont souffre le Cameroun en ce moment, Paul Biya a choisi de parler d'un seul, mais je pense que c'est parce que son discours était enregistré avant. Donc, il y a la crise post-électorale avec le contentieux post-électoral du MRC de Maurice Kamto qui est pendant devant la Commission des droits de l'homme et des libertés de l'Union africaine. Et deuxièmement, la crise anglophone. Donc, sur la crise post-électorale, les conseils des sages africains proposaient, en l'occurrence, la résolution du conflit par un accord de partage du pouvoir. On comprend vite pourquoi les faucons qui sont autour de Paul Biya ont tout fait sûrement pour couper cet endroit dans son discours, parce qu'ils se disent, voilà, un règlement à l'amiable, un partage du pouvoir, ça voudrait dire l'éviction de beaucoup de barons du gouvernement, voilà, comme ça s'est fait, par exemple, RDC. Ensuite, le conseil des sages, là, donc les Obasanjo, Thabo Mbeki, Jerry Rawlings, Justin Chissano, avaient l'intention de rencontrer aussi Paul Biya pour lui faire entendre raison sur le dossier de la crise au Nord-Ouest, de jouer la médiation pour que mettre les acteurs autour de la table et essayer de régler le conflit au Nord-Ouest et au Sud-Ouest entre les Amazoniens, les fédéralistes et l'État du Cameroun. Bon. Donc, Paul Biya a vu que cette initiative, au début, on en parlait simplement. Mais une fois qu'il y a eu le forum, ça veut dire que les choses sont actées et les anciens chefs d'État attendent le feu vert de l'Union africaine pour se rendre à Yaoundé. Donc, lorsque Paul Biya convoque le dialogue, c'est pour les couper l'herbe sur le pied. C'est pour que l'Union africaine leur dise en interne, bon écoutez, est-ce que ça vaut encore la peine de se rendre à Yaoundé, puisqu'il a convoqué un dialogue de deux choses. Une, soit on annule votre initiative, soit on la reporte en attendant de voir ce qui va se passer dans son dialogue, si les problèmes persistent. Donc, il adapte. D'abord, comme vous comprenez bien, le politicien ne se lève pas et il vient parler à la télévision comme ça. Il se lève, il vient parler parce qu'il y a un calcul politique derrière. Et le calcul politique, en l'occurrence, c'est le contentieux post-électoral de l'Union africaine et la crise anglophone et la décision d'un collègue d'anciens chefs d'État de jouer les médiateurs. Deuxième chose, il y a la décision des Nations Unies.
Les Nations Unies sur l'impulsion des États-Unis, les Nations Unies, ça veut dire l'ONU, l'Organisation des Nations Unies sur l'impulsion des États-Unis, étaient prêts à examiner le dossier Cameroun lors de sessions formelles, cette fois-ci, non plus informelles, mais formelles du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, surtout les Américains, parce que lorsque Karine Bass s'est rendue à Yaoundé, elle est tellement, pour ceux qui sont allés plusieurs fois au congrès rencontrer Karine Bass, elle est tellement attachée, l'honorable Karine Bass. L'honorable Karine Bass est tellement attachée à la résolution de la crise anglophone par le dialogue. Première chose. Et deuxième chose, les Américains sont très attachés au développement du capital humain, human capital, human capital. Donc, elles étaient attachées au fait qu'il fallait absolument qu'il y ait une rentrée scolaire et que l'école reprenne, que les écoles réouvrent et que beaucoup d'enfants retournent être scolarisés dans leurs écoles parce que ça fait déjà 1, 2, 3 ans que les enfants n'ont pas de scolarisation. Et on connaît les dégâts. Quand vous voyez les troubles en Afrique du Sud, là, l'Afrique du Sud, en fait, paye le fait que pendant 20 ans, beaucoup d'enfants n'ont pas été scolarisés et beaucoup de personnes qui sont à l'âge adulte, à 60 ans, ne savent absolument rien faire. Il n'y a pas possibilité de les insérer dans le tissu économique et social. Bon. Les Américains souhaitaient que l'école reprenne. Ceux qui ont regardé le dialogue, la vidéo de Paul-Éric Ingué que j'ai postée d'ailleurs, où Paul-Éric Ingué rappelait qu'il fallait que l'école reprenne. Il fallait que les enfants, les écoles réouvrent. Et dans ce sens, vous pouvez écouter ce que trois leaders anglophones ont dit. Moi, je prends Sissoko Ayoub-Tabe a dit qu'il était pour la réouverture des écoles. Et il avait même dit que lui, dehors, il s'impliquerait dans une campagne pour la réouverture des écoles. Mancho BBC a dit, voilà, en cas de libération, il s'engageait à retourner underground et faire un plaidoyer actif pour que les écoles réouvrent, pour que les enfants aient droit à une scolarité. Pen Terrence, qui était un leader syndicaliste du syndicat des enseignants, qui est en prison, a milité depuis la prison pour la réouverture des écoles, pour que les enfants aient une éducation. Parce que ce qui se passe, mes chers frères, quand vous avez tous vu les vidéos comme moi, à Bonaberry, un reportage qui était passé sur Canal 2, une chaîne que j'aime pas trop, mais quand même, on a vu des filles de 18 ans dire, voilà, nous sommes à Bonaberry, on se prostitue dans les bars pour vivre. D'où venez-vous? Nous venons du sud-ouest. On a vu des garçons de 17 ans dire, qui se livrent à la prostitution, des jeunes garçons de 17 ans à Bonaberry, à Douala 4e. Donc, tout ça, c'est la conséquence de la fermeture des écoles. Le coût social à terme sera élevé. Donc, les États-Unis, à travers l'honorable Karine Bass, avaient mis un bras d'honneur pour dire qu'à l'occasion de la rentrée scolaire, il faut absolument que les écoles réouvrent. Le gouvernement du Cameroun a dit que le fait que les écoles n'ouvrent pas, ce n'est pas leur faute, c'est à cause des sessions. On a Ayoub Tabe depuis la prison, on a Mancho BBC, on a Pen Terrence, on a Tassan Wilfried, qui, depuis leur lieu de détention, non, je le dis encore, Ayoub Tabe, Mancho BBC, Tassan Wilfried, Pen Terrence, qui depuis leur lieu de détention ont fait un plaidoyer pour la réouverture des écoles. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez tous vu comme moi que malgré leur plaidoyer, les écoles n'ont pas réouvert. Et pour cause, juste avant la rentrée scolaire, on a prononcé, juste avant, ce n'est pas un hasard, juste avant, on a prononcé la condamnation de Ayoub Tabe. En tout cas, aux États-Unis, les congressmen et les sénateurs estiment que ce n'est pas un hasard. Aux États-Unis, les congressmen et les sénateurs estiment que ce n'est pas un hasard. On a prononcé le jugement de condamnation de Ayoub Tabe en première instance et on a assorti ça d'un paiement de 250 milliards de dommages et intérêts. La conséquence immédiate de ça a été que les groupes sécessionnistes ont relancé les hostilités. Donc, vu de Washington, les Américains estiment que le fait qu'on ait prononcé le jugement d'Ayoub Tabe juste avant la rentrée scolaire, c'était une provocation pour amener les groupes sécessionnistes, enfin les groupes ambazoniens, si je puis dire, ou sécessionnistes, appelez ça comme vous voulez, à se soulever et dans la foulée,
dit, bon, voilà, il ne pourra pas avoir de rentrée dans la zone anglophone parce que, voilà, les exactions, les groupes, machin. Donc, les Américains entendaient donc faire un pas dans les sanctions, même des deux côtés. Donc, le gouvernement camerounais, en convoquant le dialogue, a voulu couper l'herbe sur le pied des États-Unis qui devaient engager le Conseil de sécurité. Mais je vais démontrer plus tard que ce n'est pas joué parce que les Américains, ils ont la montre, ils ont le temps. C'est-à-dire qu'ils ont le temps. Un peu pour lui, il a la montre. Ça veut dire que ça tourne comme ça, ça va faire un cycle, ça va s'arrêter. Mais eux, ils ont l'espace. Donc pour eux, ils considèrent que ce n'est que partie remise. Voilà. Ensuite, il y a le lobbying de la diaspora. Parce que l'une des personnes qui, désormais au Cameroun, aura affirmé son poids politique, social, économique dans cette crise, c'est la diaspora. Le political leverage de la diaspora camerounaise aujourd'hui est supérieur au political leverage de certains partis politiques. Moi, je prends l'exemple Frundiki Baba de Boko. Que vaut le political leverage de Frundiki par rapport à ce qu'on appelle interim government qui est en exil? Ils ont les ressources financières, ils ont les hommes, ils ont les connexions. Frundiki a quoi? Je veux dire que ce n'est pas qu'on les soutient. Mais je veux dire qu'on essaie de donner une picture, comment on dit, une photographie en anglais, une photographie de la carte du Cameroun telle qu'elle est aujourd'hui. La diaspora a pesé de tout son poids. On a regardé la diaspora intervenir au Parlement européen. Et au Parlement européen, la diaspora s'est exprimée, elle a parlé, elle a porté la voix. Vous avez suivi, les députés européens ont reçu au sein de la Commission européenne à Bruxelles, entouré des parlementaires et des représentants des commissaires européens. Ils ont reçu Boris Berthaud, Florent Noumongueyep, la Twing, là, elle s'appelle, on ne sait pas quoi, de Monte Carlo. Ils ont reçu il y avait Jean Bosco Tagnier, il y avait Calibri Calibro, il y avait Sandy Boston, voilà. Bon, vous avez vu les interventions des uns et des autres. Chacun a parlé. Hein? Chacun a parlé devant les parlementaires européens. Et lors de ces auditions, là, vous pouvez regarder ça, c'est sur la chaîne JMTV+, Jacques Moifo TV+. Vous pouvez regarder, vous allez constater que les Camerounais se sont exprimés. Les Camerounais ont pris la parole, ils se sont exprimés, ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils avaient dans le ventre. Ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur. Et il en ressort que les parlementaires européens ont pris conscience de la nécessité d'accélérer le processus de prise de sanctions. La dame l'a dit. Elle a dit, bon, ce qui nous embête encore, c'est que s'il n'y a pas une initiative d'abord à l'intérieur, ils vont dire que c'est l'impérialisme, etc., etc. Et c'est là où je vais en parler tout à l'heure pour le dialogue de Paul Biya. Il faudrait qu'il comprenne que c'est la dernière chance pour lui. Parce que justement, ce que les grandes puissances étrangères attendaient, c'est ce dialogue-là. Parce qu'une fois que si ce dialogue-là n'aboutit pas sur des décisions qui stoppent la crise, là, ils vont dire, bon, écoutez, nous sommes obligés d'intervenir parce qu'il n'y a pas pu avoir une initiative concrète à l'intérieur. Ils vont highlight, comme on dit en anglais, ils vont souligner les insuffisances du dialogue pour bien organiser et ils vont mettre ça pour dire, bon, nous devons passer maintenant outre cela et imposer un dialogue par la communauté internationale. On l'a vu en Côte d'Ivoire en 2002. Entre Laurent Gbagbo et ses adversaires politiques. J'en parlerai. Donc, ça veut dire que le lobbying de la diaspora au Congrès américain, le lobbying de la diaspora au Sénat américain, le lobbying de la diaspora dans la société civile américaine, le lobbying de la diaspora au Parlement européen, le lobbying de la diaspora au Bundestag allemand, le lobbying de la diaspora à la Chambre des Lords en Grande-Bretagne, le lobbying de la diaspora au Parlement européen, le lobbying de la diaspora à la Commission européenne, le lobbying de la diaspora à l'Union africaine, au Parlement sud-africain, nigérian, sénégalais, un peu partout dans le monde, ce lobbying de la diaspora pèse énormément. Parce que ce lobbying de la diaspora démontre qu'il y a des civils morts qui continuent à mourir, plus de 2000 personnes. Paul Biya même l'en a, je ne sais pas comment vous le dire maintenant, pour une première fois, lui-même il a reconnu ça dans son discours. Ce lobbying de la diaspora tente à démontrer qu'il y a des personnes déplacées, qu'il y a des villages qui ont été brûlés, qu'il y a des personnes qui vivent dans la forêt, qui décèdent, en l'occurrence les personnes âgées qui n'ont pas la force
pour marcher sur 300 km et fuir. Arrivée à un certain moment, elles décèdent, elles sont déshydratées, elles décèdent. Nous avons les images. Sous le bilan, la diaspora tente à démontrer qu'il y a des charniers où il y a des morts. Les vidéos existent, elles ne croient pas que même si on ne les sort pas là, il y a des tonnes de vidéos. Et le bilan, la diaspora tente à démontrer la torture. Vous avez vu la célèbre vidéo où on tape quelqu'un parce qu'on dit qu'il est général ambazonien. On le tape, on lui écrase la tête avec les rangs jusqu'à steamer. Le lobbying, la diaspora tente à démontrer qu'il y a des prisonniers politiques qui sont dans des conditions insoutenables. Il y a des gens qui sont en prison avec des balles de fusil sur eux. Avec des balles de fusil dans le corps. Ils étaient couchés chez eux, ils ont reçu des balles et on les a arrêtés, on les a déportés en prison. C'est une simple dénonciation. Ce lobbying de la diaspora tente à démontrer qu'on a arrêté Maurice Kamto dans des conditions arbitraires, avec un mandat de perquisition et on le met en détention aujourd'hui, ça fait déjà 7 mois. Sur le bilan, la diaspora tente à démontrer que Maurice Kamto a gagné les élections. Ou bien n'a pas gagné les élections. Mais comme il est au pouvoir, il s'est appuyé sur l'armée et les autres services pour faire un hold-up électoral en instituant la peur parmi les Camerounais. Pour dire, bon, voilà, celui qui s'amuse, on va l'arrêter, on va le condamner, on va l'interpeller. Sur le bilan, la diaspora tente à mettre ça en exergue. Sur le bilan, la diaspora tente à démontrer que la fraude électorale, c'est ça qui est l'essence même. Des élections au Cameroun, c'est-à-dire que quand on fait les élections au Cameroun, le gouvernement se fiche pas mal de ce qu'on mettait dans les votes. Lui-même, il remplit ses propres PV là. Et il signe, même s'il n'y a pas vos signatures, il remplit, mais vos signatures, il signe à votre place. Et il dit que c'est ça qui compte. Donc, il dit les PV de l'écran qui compte. Le lobbying de la diaspora tente à démontrer que désormais au Cameroun, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Purée. Ce lobbying de la diaspora tente à démontrer que désormais au Cameroun, nous avons autant de problèmes politiques qu'il faut résoudre. La gouvernance locale qui n'est pas mise en place. Sur le bilan, la diaspora tente à démontrer que la diaspora camerounaise, c'est des millions de Camerounais qui sont totalement exclus quand ils prennent la double nationalité. Alors même que tous les gens qui sont au pouvoir à Yaoundé, tous les gens qui sont au pouvoir à Yaoundé ont la double nationalité. Et on connaît comment ils ont cette double nationalité. Ils viennent faire des enfants avec les femmes ici à l'étranger. Ils pompent les enfants comme ça, les enfants illégitimes. Ils divorcent avec leur femme au Cameroun. Ils voyagent, ils vont à Paris, ils prennent une femme qui est avocat, qui est médecin, machin. Ils font 2-3 enfants avec eux. Et en contrepartie, cette femme a la nationalité française. On leur donne les papiers français maintenant. Ils ont des cabinets là qui négocient. On leur donne des passeports européens. Et ils rentrent au Cameroun maintenant. Non, ils peuvent sortir. Le cas, partant, c'est quelqu'un comme Essimi Meunier. Essimi Meunier était ministre au Cameroun alors qu'il était américain. Les Michel Fosso, les Amakou Toumouna, tous ces gens ont des passeports étrangers. Tous ces gens, les ambassadeurs, dites-moi comment ils ont pu fuir le Cameroun. Quand ils sortent du Cameroun, ils traversent en Guinée équatoriale. Est-ce qu'il va demander un visa pour se rendre en France? Non. Il sort son passeport européen, il prend l'avion, il voyage, il rentre dans son pays d'origine. Pour bien même qu'il y ait un passeport étranger, un passeport suisse et européen, puisque sa femme est française. Donc, ils ont des passeports, mais ils mettent des lois pour interdire aux enfants des autres qui ne demandent qu'à rentrer pacifiquement chez eux pour mettre en place des projets industriels, pour mettre en place des projets agricoles, pour mettre en place des projets d'ouverture d'universités privées pour former les gens peut-être dans l'ingénierie. L'ingénierie, la technique, l'ingénierie, la construction, etc., etc., etc. Ils mettent en place des lois pour barrer la voie aux enfants des autres. Tout cela a été porté par la diaspora en termes de lobbying. Je dis ça parce qu'il y a un discours flottant dans l'air au Cameroun qui tente à dire « Oh là là, vous la diaspora, là, vous êtes les ennemis du Cameroun. » Mais j'en ris, moi. J'en ris. Au contraire, la diaspora travaille à libérer le Cameroun à travers ce lobbying. Et ce lobbying de la diaspora a porté. Puisqu'on voit bien que le gouvernement camerounais est en mauvaise posture à Washington. Les gens qui décident dans le monde, les États-Unis, l'Union européenne, et l'Union africaine au niveau africain, dans ces trois endroits-là, malgré les milliards que Paul Biya a mis sur la table pour payer les grosses sociétés de lobbying, d'avocats, de machin, rien n'a fait. Et je vous dis que des milliards ont coulé. Malgré les opposantes camerounaises qui bavardent, qui portent les valises d'argent via les PNC banques pour venir ici arroser les gens, rien n'a bougé. Le lobbying de la diaspora est resté clair, net. Et en dehors de quelques petits bavardages sur Internet, vous n'en connaissez rien du tout. Ceux qui font le lobbying de la diaspora, à 99%, vous ne connaissez même pas leur nom, vous ne connaissez même pas leur visage, ils ne font jamais de live, ils n'ont pas de compte. Ceux qui vraiment décident dans le lobbying de la diaspora, ce n'est pas ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux. Donc, là aussi, Paul Biya, le lobbying de la diaspora a pesé énormément.
Et on a vu que l'Union européenne et voulait, qu'il y a déjà des résolutions, en joignant des sanctions, avait dit, voilà, nous allons mettre en place des parlementaires européens. Ces parlementaires vont voyager au Cameroun, et au retour du Cameroun, on va avoir une réunion avec le commissaire européen pour voir si cela va se faire. Bon. Ensuite, Paul Biya aussi a peur d'une chose, c'est que les États-Unis se sont désormais donné les moyens, parce que je dis une chose, c'est que la résolution au Ben Carden, au Sénat américain, va passer. Ça, je le dis aux Camerounais. La résolution Ben Carden au Sénat américain va passer. Et comme c'est une bipartisan résolution, ça veut dire que c'est une résolution qui a été rédigée à la fois par les démocrates et les républicains, cette résolution bipartisan va passer. La conséquence immédiate de cette résolution, c'est que les États-Unis auront un deuxième leverage pour agir de manière unilatérale au Cameroun. Ils s'en sont donné les moyens. La raison pour laquelle ils vont doucement, c'était de voir comment Paul Biya va agir. Donc, les US ont désormais la possibilité d'agir par le Conseil de sécurité et ils ont la possibilité d'agir directement parce qu'ils ont un bill, donc une loi sur la table. La loi contiendra les mesures appliquées, contiendra les budgets, contiendra les forces qui seront impliquées pour appliquer cette décision. Je rappelle que c'était un bill qui a été utilisé pour dégager Kadhafi en Libye. Donc, Paul Biya, qui est un politicien, il est au courant de tout ça. Peut-être les Camerounais qui marchent dans la rue, avec le soleil qui les tape dessus, les embouteillages, ils ne sont pas au courant. Paul Biya est au courant de tout ça. Et c'est parce qu'il est au courant de tout ça qu'il s'est levé subitement un matin, il s'est dit, bon, là, ça commence à aller très fort. Il s'est levé un matin et dit, voilà, je convoque le dialogue. Il ne convoque pas le dialogue parce qu'il aime les Camerounais. Il convoque le dialogue parce qu'il y a un ensemble de... Il a le feu aux fesses, comme on dit au quartier. Enfin, il y a la situation économique, le coût du dollar. Pourquoi je dis le coût du dollar et le coût de l'or? Pourquoi je dis le coût du dollar? Parce que l'économie du Cameroun est une économie extravertie. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez abondamment les cœurs. Si vous voulez sauver le live. Sinon, s'il s'arrête, on va exit comme hier. Le Paul Biya, il y a la question de comment on dit ça? Il y a la question de économique, le coût du dollar. Les Américains sont lancés dans un trade deal avec les Chinois. Ils veulent essayer de remodeler leur relation économique avec la Chine. Et l'un des moyens qu'ils ont de faire pression sur la Chine, c'est de faire baisser le coût du dollar pour dévaluer les actifs financiers de la Chine dans le monde. Deuxième chose, Trump pense que le cycle de croissance économique s'essouffle déjà. Et pour gagner les élections, il a besoin de relancer les investissements. Donc, il va essayer de baisser le coût du dollar pour lancer les exportations, de la même manière qu'il a baissé les taux d'intérêt pour lancer les investissements. Donc, pour que les gens puissent emprunter beaucoup plus de crédit. La conséquence de ça, c'est que le gouvernement camerounais va perdre dans les mois qui viennent des devises, notamment les devises issues de la vente du pétrole. Je prends un exemple simple. Si le coût du dollar baisse de 10% et que le coût du pétrole baisse de 10%, Paul Biya est en difficulté. À défaut du pétrole, il avait la solution des mines. Mais tous les projets miniers camerounais sont en arrêt parce que quand Donald Trump est arrivé aux États-Unis, il a cassé une partie des régulations qu'il y avait, notamment les régulations environnementales qu'il y avait pour l'exploitation minière qui rendaient que le coût était au-dessus, n'était pas réalisable. Il a cassé une partie de ses réglementations. La conséquence immédiate, c'est que la majeure partie des investissements des capitaux qui viennent dans le monde arrivent pour s'investir aux États-Unis dans les mines, notamment les mines de charbon, le pétrole, etc. etc., etc. Parce que, par exemple, ce qui empêchait d'exploiter le pétrole aux États-Unis, c'était le pétrole de schiste, c'était la régulation. Une fois qu'on a retiré la régulation, le pétrole a commencé. On a dit, voilà, pourquoi allons-nous faire la guerre alors que c'est les régulations qui empêchent d'exploiter le pétrole? Donc, de la même manière, il a retiré les régulations sur les mines. Donc, tous les projets miniers qu'on avait au Cameroun, là, il faut oublier. Parce que les capitaux partent vers les États-Unis ou bien ne quittent plus les États-Unis pour aller à l'étranger. Et quand bien même ça veut partir, ça va vers les pays comme la RDC et non pas le Cameroun. Donc, là encore, Paul Biya perd les devises qu'il escomptait. Hein? Donc, quand vous lisez tout le discours économique au début des années 2010, il perd ses devises. Troisième chose, les réserves, le stock d'or. Le stock d'or. Vous avez vu même l'exploration de l'or qu'on a lancé à l'est du Cameroun pour rechercher de l'or parce qu'on voulait constituer le stock d'or.
Sauf que l'or est passé de 137 dollars à 67 dollars. C'est-à-dire que le coût de l'or a baissé de plus de 50%. Ceux qui veulent parler sur MarketWatch ou sur Boursorama et tapent ETF l'or, là, ils voient que l'or a baissé de près de 50%. Donc, ça veut dire que la valeur du stock d'or du Cameroun est même en dessous de son coût de production. Donc, ça veut dire que Paul Biya ne peut pas utiliser les talons d'or pour lever de l'argent dans le monde en ce moment. Donc, ça lui rend la situation économique extrêmement compliquée et difficile. Dans le sens où il va y avoir de moins en moins de devises. Nous avions déjà une crise de devises. Et pour régler la crise de devises, les États de la CEMA se sont entendus. Elles ont demandé aux banques commerciales de fermer les cash réserves qu'elles avaient à l'étranger et de rapatrier l'argent. Donc, ils avaient deux leviers de suivi. Ils ont déjà utilisé un, parce que les 4 000 milliards, là, ou 5 000 milliards, là, au plus tard, fin janvier, ce sera déjà consommé. Ce sera déjà consommé. Déjà, on est même encore en septembre, au mois de novembre, il y aura déjà encore de l'électricité dans l'air. Les banques vont commencer encore à mettre la pression, les opérateurs économiques vont paniquer. Donc, Paul Biya, qui est président, il le sait. Il a les rapports qu'on lui remonte. Il consulte les gens. Il est un secrétaire général, la présidente numéro 2, qui s'occupe des affaires économiques. Donc, il reçoit Tawamba, le patron du patronat, et il parle. Il reçoit le directeur de la Banque centrale, par une porte dérobée, et il parle. On dit, bon, écoute, fin novembre, là, vraiment, ça va être dur, on ne va pas pouvoir. Les banques vont pouvoir, ça va être l'affolement, etc. Donc, il est conscient qu'il faut déterrer les taux pour qu'éventuellement la communauté internationale... Parce que quand il y a une situation comme ça, les gens disent, mais pourquoi les Américains n'interviennent pas? Mais vous savez très bien que les États-Unis sont au conseil d'administration de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Un petit coup de fil et tous les prêts seront bloqués. On va vous dire, bon, revenez demain, revenez demain, revenez demain. Oh, vous voulez 100 milliards? Revenez demain, revenez demain. Parce que Maurice Kamto a introduit une requête à la Cour africaine des droits de l'homme et des libertés, au Conseil africain des droits de l'homme et des libertés. La BAD dépend des actions du système des États-Unis, la Chine, etc. Mais dépend aussi surtout l'Union africaine, parce que c'est une institution multilatérale africaine. Ce qui va se passer, c'est que Paul Biya étant en délicatesse à l'Union africaine, la barre aussi va traîner les pieds pour décaisser de l'argent. Ça fait que le gouvernement camerounais a de vraies difficultés économiques. Difficultés dues à l'extraversion de notre économie. Mettez massivement les cœurs, s'il vous plaît. Sinon, on ne risque pas d'aller au bout. Alors qu'il y a beaucoup de bonnes choses à vous expliquer là. On risque de... C'est-à-dire que l'économie, nous ayant une économie massivement extravertie, si d'ici la fin d'année, il n'y a pas quelque chose qui est fait pour que nous puissions avoir les devises pour pouvoir financer les importations de médicaments, les importations de matières premières pour l'industrie, les importations de pièces de rechange, les importations de véhicules, les voyages des commerçants camerounais qui vont se débrouiller à Dubaï, etc., etc., le paiement des billets d'avion aux compagnies aériennes essentiellement étrangères du fait de la volonté de Paul Biya qui n'a pas voulu bâtir une vraie compagnie aérienne, etc., etc. Le paiement des armateurs qui transportent mettent à frais les navires pour venir charger notre banane, notre cacao ou bien amener les marchandises que nous avons besoin pour survivre. Nous allons à volo. Donc, lui, Paul Biya dans son palais, quand il s'assoit avec ses stratèges, c'est de ça qu'il parle. Il dit, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes avec les devises? Ah, monsieur le Président, vous savez qu'on a la dernière chance. Les banques ont fermé tout ce qu'elles avaient comme réserve à l'étranger, elles ont rapatrié au Cameroun. Il nous manque peut-être 3 mois et là, on va encore commencer à avoir la crise. Et la seule solution, ce sera peut-être de demander à ces banques maintenant de rapatrier les dépôts qu'elles ont, de la BA qu'elles ont. Qui sera un peu plus difficile, parce que ce sont des dépôts qui ne sont pas dans des cash réserves, mais qui sont dans des placements fermés à long terme. Deuxième chose, on lui dit, ah, monsieur le Président, vous savez, le coût de l'or, c'est en dessous même du coût de production. Donc, on ne peut même pas utiliser notre stock d'or. Ensuite, on lui dit, bah, monsieur le Président, vous savez, on est en difficulté parce qu'à la Banque mondiale, toutes les demandes de prêts qu'on avait introduites, quel que soit le cas, ils traînent les pieds. Avec les problèmes du chantier, la canne, c'est encore difficile. Parce qu'on avait pu trouver des prêts commerciaux, des dettes
des prêts commerciaux, pas bancaires, mais commerciaux. Et aujourd'hui, on ne peut plus trouver ces prêts-là. Donc, on est en difficulté pour boucler les chantiers, etc. etc., etc. Donc, il est en difficulté. Les investisseurs ne viennent pas. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus de liquidité au niveau du trésor public. Pourquoi je dis ça? Dans un pays, le premier dépositaire d'argent dans les banques, ce ne sont pas les hommes d'affaires, c'est l'État, à travers les dépôts du trésor public. Or, quand vous allez aujourd'hui dans les régies financières au Cameroun, dans les marchés, dans les ministères, où les gens font les marchés, ils vous disent qu'on ne paye plus les gens. Les factures sont bloquées. Les gens qui avaient des factures, des arrivées, ou des factures en cours, ou bien les règlements en cours, les décaissements, etc. Les gens qui avaient les frais de mission, les PDM, les machins. On ne paye plus les gens. Il y a des arrêts de factures comme ça. Parce qu'il n'y a pas de liquidité. Et la conséquence de ça, je l'ai déjà expliqué dans un live précédent, c'est que comme on ne paye pas les gens, la conséquence, c'est que les entreprises n'étant pas payées, ne pourront pas payer les impôts. Et si ces entreprises ne peuvent pas payer les impôts, ce qui va se passer, c'est que les recettes fiscales vont baisser. Et si les recettes fiscales baissent, l'État aussi aura moins d'argent. En fait, pour régler la question, il faut réinjecter la liquidité dans le circuit. Sauf que, comme Paul Biya en délicatesse avec la communauté internationale, en l'occurrence, les deux premiers bailleurs de fonds du Cameroun, que sont les États-Unis et l'Union européenne, il est en grosse difficulté avec eux. Il ne parvient pas à avoir l'argent. Il pourrait encore avoir un souci au niveau de l'Union africaine, avec la Banque africaine de développement ou les International Finance Corporation. Mais là encore, il est bloqué parce que tu as un contentieux électoral pendant devant l'Union africaine au Conseil des droits de l'homme et des libertés. Parce qu'il y a une initiative des chefs d'État africains parrainée par l'Union africaine pour empêcher que les États-Unis n'interviennent avec le marteau dans nos affaires. Et Paul Biya esquive, donc il dribble un peu comme ça. Ça fait que on n'a pas l'argent. Et on n'a pas l'argent, la conséquence de ça arrive petit à petit, c'est que on va se lever un matin, comme en Grèce, avec des banques commerciales qui ont fermé, parce qu'elles n'ont pas de trésorerie pour décaisser et faire face aux besoins de la clientèle. L'État a emprunté massivement dans les banques, il n'a pas l'argent pour payer. L'État a emprunté sur les marchés financiers, dont l'épargne locale, donc dans les banques, les dépôts des banques, les dépôts des Camerounais et les avoirs des banques. L'État a emprunté sur les marchés financiers l'épargne des Camerounais. Si l'État n'est pas capable de faire face, les premiers à fermer, ce seront les banques. Le souci que Paul va pouvoir encore avoir, c'est la diaspora. Mais il a décidé d'arrêter tous les gens qui viennent de la diaspora dans les aéroports, au pif comme ça. Et on peut vous arrêter, votre tête ne plaît pas, on vous arrête. Et on commande c'est quand on vous est en détention qu'on commence à chercher les motifs. Donc là, ça crée une situation. Donc, quand il est dans son palais, il étudie avec ses stratèges, il voit ce qui va se passer. Il voit que ça va créer des conséquences graves. Par conséquent, il se dit, tant qu'à faire, convoquons un dialogue, parce que là, on rend les armes. Si on veut persister dans la voie, là, ça risque de nous balayer et nous emporter. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas qu'il a convoqué le dialogue parce qu'il vous aime tellement, il vous a compris. J'ai lu les Onang, il racontait les histoires sur Internet, là, etc., etc. Ensuite, il y a les dépenses militaires. Les dépenses militaires du Cameroun sont à 70% au moins libellées en devises. Il faut importer les armes, il faut importer les munitions, il faut assurer la maintenance, en l'occurrence de la logistique, la maintenance des avions de ravitaillement, des avions de transport et tout, surtout depuis que les États-Unis ont refusé de fournir les pièces détachées. Et je dis encore, si vous allez sur le mur du journaliste américain Scott Morgan, vous allez voir un article intéressant où il montre que les États-Unis ont commencé à déplacer tous les armes et les munitions et les équipements qu'ils avaient mis au nord du Cameroun pour aider le gouvernement camerounais à combattre Boko Haram. Ils ont déplacé ça vers leur base opérationnelle de Africom au Niger. L'article sur le mur de Scott Morgan, j'ai voulu partager ça tout à l'heure sur mon mur avant de démarrer le live, mais je ne suis plus pas les impératifs de temps parce qu'il faut qu'il finisse le live pour aller faire autre chose. Vous comprenez donc que la situation n'est pas si que les dépenses militaires du coup augmentent, on a moins de devises, le coût du dollar baisse, le coût du pétrole baisse, le coût de l'or a fondu, etc., etc. Donc, Paul Biya a vraiment un conteneur de problèmes sur la tête. Et c'est parce qu'il a un conteneur de problèmes sur la tête qui sont des facteurs externes
sur lequel il n'a pas d'emprise, il n'a pas un pouvoir de décision, il ne peut pas agir, il ne peut pas changer le cours des choses. Il a décidé de convoquer le dialogue. Le dialogue. C'est important de le dire. Donc le dialogue, c'est simplement un moyen de désamorcer temporairement. Je dis bien, le dialogue qu'il a convoqué, c'est un moyen de désamorcer temporairement une crise qui est latente. Voilà. Bon, vous avez noté aussi comme moi que Paul n'a pas parlé de Maurice Kamto dans son discours. Moi, je présume que soit il a supprimé, soit il a... Maurice Kamto, là, c'est le faux profil de Fabien Asingana. Fabien Asingana, à la fin de mon live, là, j'ai ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler au téléphone pour te passer un savon. Un sérieux savon. Toi, Maurice Kamto, là. C'est Fabien Asingana. Je te connais. Et je connais comment tu opères. Je connais ce que tu écris. À la fin de mon live, je vais t'appeler sur ton téléphone. Tu vas m'entendre. Donc, il y a ça. Maintenant, j'en viens au dialogue en question. Est-ce que le dialogue que Paul Biya a convoqué à Yaoundé va clôturer la séquence politique de la crise électorale, la crise post-électorale et la crise au Nozo? Il y a deux choses. Que cela plaise ou pas aux défenseurs du régime, il y a deux choses. Il y a deux choses sur la table. Il y a la crise post-électorale où Paul Biya n'a pas gagné les élections. Et cette crise est pendante devant l'Union africaine. Et il y a la crise au nord-ouest-sud-ouest. Simplement, la crise au nord-ouest-sud-ouest a un problème particulier. C'est qu'il y a des morts d'hommes. Il y a 2000 hommes. Je rappelle que nous, nous avons constamment entendu aux États-Unis les sénateurs et les congressmen américains dire et répéter que on monte, on descend, il y aura une suite judiciaire pour les gens qui ont été impliqués dans les morts, les 2000 morts qu'il y a eu en zone enfant. C'est pour ça qu'ils ont parlé de génocide au Congrès. Ils disent qu'il y aura une suite judiciaire.